Justine Rougemont, on est ici à Hénin-Beaumont. C'était match Coupe de France féminine, Hénin-Beaumont contre Calais. Comment tout s'est passé? On a eu du mal en début de match. On voulait leur rentrer dedans tout de suite, mais malheureusement, c'était plutôt l'effet inverse. En première mi-temps, on a eu du mal à se trouver au milieu de terrain. Elles jouaient super, super haut et nous, dans le milieu de terrain, on était souvent en sous-nombre. Donc c'était compliqué, la deuxième a été meilleure et on est très contente du résultat. Oui. Vous gagnez 3-1, vous marquez aussi le deuxième but, hein, le but qui fait la qualification en fait. Ouais, je suis contente, après c'est un travail collectif, c'est toujours plaisant de marquer mais ça vient avant tout du collectif. Et vous célébrez ça d'une façon spéciale, hein? Ouais, c'est une petite blague avec les filles de l'équipe, voilà. Vous êtes en championnat premier, j'ai entendu, donc l'objectif c'est de remonter. Ouais, l'objectif c'est de remonter cette année. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc on va continuer sur notre lancée. On espère pouvoir retrouver la division 2 l'année prochaine. Et pour le tirage au sort Coupe féminine, vous espérez jouer contre qui? On aimerait bien tomber une grosse équipe. Après le tirage... on verra bien, c'est demain, on verra. Mais forcément, on espère tomber contre une grosse équipe. À la maison aussi? À la maison, oui, c'est possible. Ok, merci et bonne chance. Merci.